Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci avec vous-même qui pourra tout profiter, abonner, activer cloche notification. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi de petit coup de côté pour l'émission Tribune Sport. Émission apportée pour toute dernière actualité sportive, que ce soit sur le plan local et à l'échelle internationale. Mais je vous dis, hein, nous avons été sur le plan local pour nous capables de l'actualité parce que nous avons causé pour nous parler du comité de normalisation. Ça, depuis bien des temps qui est inexistant, le comité de normalisation, ça fait tout à qui la presse. Et même monde qui au même fanatique football, fanatique sport dans le pays, hein, a parlé du comité de normalisation ça. Gagne yo cubain qui capable rejoindre et comité de normalisation ça selon dernière nouvelle. N'a pas un petit coup de pause après. Voilà, nous retournons après pause là. Merci avec vous même qui toujours été accroché avec l'émission tout le soir. Nous été accroché tout avec quoi de petit coup là. Donc nous regardons directement dans l'actualité yo gagne Luis Hernandez qui lui-même capable de venir président comité normalisation. Luis Hernandez est un cubain, il a 72 l'année, dans l'année 80, il a une chance de jouer au football en tant que milieu de terrain. Monsieur ça c'est actuel président fédération cubaine. Donc qui voit que gagne en pile par les cafetas sur les dernières nouvelles que monsieur Luis Hernandez même capable de prendre tête comité normalisation. Nous capable poser question, est-ce que réellement comité normalisation qui existait, est-ce que réellement comité normalisation qui fait ça qu'il dit lui faire. En tout cas, ces questions nous poser comité normalisation, est-ce que directement pays a pas gagne monde qui valable, pas gagne monde qui conséquent qui est capable mener pays au bon port. N'a posé tête nos questions, est-ce que directement Luis Hernandez il reste prêt à le faire football dans jeune pays hein? Niveau insécurité à nous connaît la vallée terrain qui stratégie la FIFA ouais que Hernandez gagne pour capable faire football jeune pays hein? C'est un pile question capable poser. Donc on pense que Luis Hernandez qui va venir là il voulait ba nous tout ça qui voulait la FIFA. Donc grand pile monde qui dit que la FIFA casse football là, mais attention, est-ce que réellement gagne mon qui offre tête même si que on t'a dit que c'est des honnêtes, est-ce que offre tête avec comité normalisation ou bien offre-tête avec football haïtien. Donc moi c'est que nous là nous dans une situation qui est vraiment critique. Est-ce que Luis Hernandez a venu directement pour aider football à avancer? Est-ce que Luis Hernandez prêt à permettre que nous avancer? En tout cas, ces questions, merci parce que tu as suivi l'émission Tribune Sport, comité normalisation, football haïtien, sport dans le pays, il est parti pour gagner un pile problème. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sortie de l'émission Tribune Sport. C'était moi et moi des petits collants qui est là pour le servir. Bonsoir tout le monde. Pour faire le football là, nous venons dans le match en foule. Nous venons dans le match en foule, nous venons de foule, nous visitons nos pays. Et c'est le football là, nous apprêté. Qui vous bénisse chaque après-midi. Pour nous venir de foule, nous venons dans le match, respecter une autre. Et nous venons respecter l'opinion de l'autre, parce que nous ne sommes pas capables de faire l'équipe. Respecter quoi l'arbitrage, tout. Partager respect une pour l'autre. Devant le football, restez patient que on joue quand même championnat tourné. Merci à vous-même qui t'a suivi 27e numéro brique connaissance et sportif. Nous avons rendez-vous pour 28e numéro. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci à vous-même qui pourra tout profiter, abonner, activer cloche notification.